Ça, j'en ai cueilli quand c'était pas en fleurs. La première fois que je les vois en fleurs, c'est une plante pas médicinale, aromatique, je sais plus le nom. Ça sent super bon quand c'est en fleurs, encore plus. Se ressourcer, rien de tel que la nature, et ça déstresse. L'animal à deux pattes devient de plus en plus fou et dangereux. L'homme, tous ceux qui peuvent. Allez vous promener dans la nature. Depuis samedi, j'ai pas mal de douleurs à mon genou droit, mais je me suis forcée tout doucement avec mes bâtons nordiques. Je me suis donné un coup de pied aux fesses et je me suis dit, Annie, va marcher. Stressé dans la nature, on va faire la marche, douleur ou pas. Je vous encourage tous à faire ça, ceux qui peuvent bien sûr. Seul avec le Seigneur et la nature. Oh, petit oiseau, qu'est-ce qu'il fait là? On va le voir. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a peut-être quelque chose dans le champ. Il tourne en rond au-dessus. Ah, dommage, il y a un train au loin. Les cri 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 cri. Désolé pour le train, c'est dans la ville de l'autre côté. Il y a une gare, c'est pour ça. Par là, il y a des ruches. Là, elles ont de quoi polliniser. Là-bas derrière, c'est la Seine. Je vous souhaite une bonne journée malgré tout ce qui se passe, les temps difficiles qu'on vit. Le Seigneur est fidèle. Il est au contrôle de tout. Je vous bénis tous. Bonne journée.